Good morning, Aïd, on est sur aujourd'hui le Nishmat, avant Prainor Ben Fortune Mazal Dov Ben Yudit, Micha Machlouf Ben Masoud, Ben Yosef Ben Nahum, Yaakov Nissim Ben Chana, si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah Kotel 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Meila, Perek Dalet Mishnah Alef Kodche Hamiz Beach Mister Fibzeim Ze Lemeila, le Chayev Alen Mishum Pigul Notar Betame, Kodche Bedek Abait, Mister Fibzeim Ze, Kodche Hamiz Beach Ve Kodche Bedek Abait, Mister Fibzeim Ze, Lemeila. On va faire une petite introduction au Perek, à tout ce chapitre qu'on va découvrir. Tout d'abord, de manière générale, notion des shiurim, des quantités. Dans la Torah, elle a interdit plusieurs sortes d'interdits, dans toutes sortes de domaines, 365 même précisément. Et il y a maintenant, dans beaucoup d'interdits, la Torah elle a fixé une quantité requise pour transgresser l'interdit de la Torah, pour être condamnable dessus. Titre d'exemple, manger du cochon, manger un animal qui n'a pas été égorgé, une névéla donc, eh bien, il y a quantité de un kazaït pour pouvoir être passible de malkout, de transgresser pleinement l'interdit. Première notion. Deuxième notion, maintenant, la Torah, elle interdit aussi toutes sortes, il y a beaucoup d'interdits de la Torah qui se ressemblent plus ou moins. En l'occurrence, on a évoqué des interdits de consommer. La Torah interdit de manger cela et de manger ça aussi, de manger différentes espèces interdites parfois par un même interdit explicite, parfois par des interdits différents. En l'occurrence, j'ai évoqué le cas de ne pas manger un animal qui n'a pas été égorgé avec ne pas manger du cochon. C'est deux interdits différents. Il y a par contre le cochon et le chameau. Ils sont tous les deux explicites, mais ça dépend du même principe. Ce sont des espèces qui n'ont pas les sabots fendus et qui ne ruminent pas. Et il y a une question générale, qu'on va traiter pas mal dans notre chapitre, de savoir, est-ce que différentes espèces vont s'associer pour former la quantité requise? En l'occurrence, est-ce que manger... on a dit qu'il faut manger un kazaït de cochon pour transgresser l'interdit de la Torah. Et manger un kazaït de... Nevela, l'animal qui n'a pas été abattu avec la shrita, pour transgresser l'interdit de la Torah. Si j'ai mangé un demi-zaït de l'un avec un demi-zaït de l'autre, ensemble j'ai mangé un zaït d'interdit de la Torah, mais c'est pas le même interdit. Est-ce que ça s'associe ou non? C'est le sujet général qu'on va découvrir tout au long du chapitre. On va commencer tout d'abord avec les kodshim, et l'interdit de Meila, mais pas que l'interdit de Meila. Il y a aussi d'autres interdits qui vont concerner les kodshim, et qu'on va justement découvrir tout de suite. Kodshia Misbeach, je commence par traduire la Mishnah et puis après on va reprendre un petit peu, d'accord? Comme ça on a déjà une vue ensemble. Kodesha Mizbeach, ce qu'on a sanctifié pour le Mizbeach, donc les offrandes qu'on va faire à l'autel. Un Ola, un Khatat, un Hacham, un Toda, un Shlamim, un Bechor, un Maaser, un Pesach. Il n'y a pas que ça, tout ça j'ai pris pour le moment des cas de mammifères, mais il y a aussi les volailles, il y a même aussi les oblations. Les oblations de semoule, les oblations de vin. Alors, toutes ces choses-là, kodshia misbeach, tous les kodshia misbeach, mitztarfim zeimze, ils peuvent s'associer l'un avec l'autre. Lim'ila, pour transgresser l'interdit de Meila. C'est-à-dire que si tu as fait la quantité requise pour transgresser l'interdit de Meila, c'est de manger un kazaï cette fois-ci, c'est de manger une valeur d'une prouta. Eh bien, si tu as mangé une demi-prouta d'une cuisse du pigeon que tu as fait en korban ola, et tu as fait aussi avec une demi-prouta, tu as mangé cette fois-ci un peu de la mincha qui était une oblation, comète de la mincha, ou bien une mincha qu'il fallait fermenter sur le misbéach, comme ce qu'on a appris en haut, exactement quel type de mincha, ils sont concernés par l'interdit de Meïla, eh bien tu prends là-bas une demi-prouta de l'un, une demi-prouta de l'autre, tu manges les deux, tu transgresses l'interdit de Meïla, la Mishnah enseigne que oui. Parce que la Meïla, c'est un interdit général pour tout ce qui englobe. Tout ce que l'on peut offrir au Beit HaMikdash, donc tout s'associe. Parfois ça s'associe, parfois ça s'associe. Par en l'occurrence, ça s'associe. Le Chayav Alan Mishum Pigul Notar Betami aussi, pour être passible, condamnable pour eux, si on transgresse l'interdit de Pigul, de Notar et de Tamé. Pigul, c'est qu'au moment où on les a offerts en Corban, on a l'intention de les manger au-delà des limites de temps. Donc, par exemple, j'ai fait Ma'ola, on l'a faite avec intention de faire brûler les membres de la Ola le lendemain. Donc on a dépassé les limites de temps. On a tout de suite interdit la viande à cause de l'interdit de Meïla.
On a fait le même coup ensuite avec un korban, même un korban toda, si vous voulez. Un korban toda, qu'on avait, un korban shlamim, on avait 2 jours et 1 nuit pour le consommer. On a dit, je vais le consommer le 3e jour. Eh bien, tu as réussi à interdire celui-ci à cause de l'interdit de pigoule, l'autre à cause de l'interdit de pigoule. Cette fois-ci, pour être condamnable de pigoule, il faut manger un zaït, un kazaït, le volume d'une olive. Tu as mangé une demi de l'un, une demi de l'autre, tu es condamnable. Idem avec l'interdit de notar, c'est que si tu as dépassé les limites de temps, concrètement, c'est pas qu'il y a une mauvaise intention, c'est que tu as dépassé la limite de temps. Tu avais 1 jour et 1 nuit, tu as dépassé le lendemain. Le lendemain, c'est interdit à cause de notar, il faut le brûler. Notar, ça veut dire le reste. Eh bien, comme les chambres Yoter, ce qu'il en est resté. Donc, si il te reste 2 korbanot différents, mais que tu as dépassé les limites de temps et tu les manges les deux, moins un demi-zaïd de l'un, un demi-zaïd de l'autre, ça s'associe. Il aime encore avec l'interdit de tamé, ce qui a été impurifié. S'il y a eu un korban qui a été impurifié, ça ne change rien. Si c'était un morceau de korban khatat avec un petit morceau de korban, allez, d'une oblation cette fois-ci, histoire de changer un peu, avec une oblation de semoule, tu as mangé ensuite un demi de l'un, un demi de l'autre, tu transgresses aussi l'interdit, on est condamnable aussi. Le Bar Tanoura rajoute encore un qui n'a pas été évoqué, et qui est d'ailleurs très embêtant, on aura l'occasion d'en parler plus longuement dans la prochaine Mishnayot, l'interdit de Ma'ale Bachutz. Il y a un interdit aussi qu'on apprenait dans Zvachim, si je ne me trompe pas. L'interdit de Shochet ou Ma'ale Bachutz, c'est-à-dire que l'interdit de prendre quelque chose que l'on devait offrir à l'intérieur du Beth Amikdash, on l'a offert à l'extérieur du Beth Amikdash. On est aussi condamnable si on a mangé, si on a fait, si on a offert une offrande de au moins un zaït. Imaginez que par exemple, vous apportez un korban hola, un korban khatat au Beth Amikdash, et vous prenez un bout de graisse qu'il fallait faire monter sur le misbéar, vous le prenez dehors parce que vous avez très envie que dans le bel hôtel que vous avez construit dans votre cour de maison, vous avez envie de faire un korban là-bas. Interdit de ma'alé. D'accord? Ma'alé, hola, la chout, bachout. Eh bien, s'il a pris comme ça aussi un demi-zaït d'une espèce, un demi-zaït d'une autre espèce, il transgressera aussi l'interdit. Et une question, pourquoi ça n'a pas été mentionné dans le Mishnah? Le Tosfot Yom Tov soulève la question et il nous dit d'aller voir plus loin, donc on attendra d'arriver dans le Mishnah plus loin. Ce ne sera pas explicité, j'ai déjà lu le Mishnah d'après, mais bon. D'ici là, vous aurez sûrement oublié que j'ai une dette envers vous, donc c'est pas grave. Et suite de la Mishnah maintenant. Kotche Bedek Abayit, Misrafim aussi pour les maintenant. Kotche Bedek Abayit, ce que l'on a sanctifié pour la trésorerie du Beth Amikdash. Eh bien aussi, ils s'associent entre eux, c'est-à-dire pour transgresser l'interdit de Meïla. Comme la Mishnah continue à me le dire, mais à moitié, donc je vais pas continuer, faites-moi confiance, c'est écrit après. On va parler encore d'un troisième cas de figure, mais pour le moment, d'abord, on explique c'est quoi la différence entre les deux coachings. On a déjà expliqué longuement, concrètement, qu'il y a deux destinations au Beth Amikdash. Lorsque je vais offrir quelque chose au Beth Amikdash, je vais soit offrir quelque chose que je vais offrir à Hachem. Concrètement, c'est une offrande qu'on va faire monter sur l'autel, on va asperger du sang, on va offrir une oblation. Mais il y a aussi une autre sorte de choses que l'on sanctifie au Beth Amikdash, c'est pour l'entretien du Beth Amikdash, et ça inclut aussi même l'entretien de Touhir Yerushalayim, c'était sur la même caisse. Le Bedek Habayit, la trésorerie du Beth Amikdash, il y avait toutes sortes de choses à gérer à Jérusalem, et à plus forte raison au Beth Amikdash, dans Harabait, il y avait des frais, les gens ils sanctifiaient leur argent pour pouvoir, ils offraient leur argent pour l'entretien du Beth Amikdash. Un peu comme dans une synagogue, on peut soit offrir un Sefer Torah, comme ça tout le monde va le lire, ou bien on peut aussi soit offrir même du papier toilette pour le Beth Amikdash. Pour la synagogue, c'est aussi une grande mitzvah, on en a besoin. D'accord? Donc c'est la trésorerie du Beth Amikdash. Maintenant, la Mishnah m'enseigne, sache que tout s'associe. C'est-à-dire, justement, tu as pris le cas, on avait besoin de mouchoirs et on avait besoin de. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire? Encore de sable pour pouvoir boucher des trous dans la muraille. Ouais. Donc, un, il a sanctifié du sable, l'autre, il a sanctifié des mouchoirs pour qu'il y en ait à disposition pour les gens qui ont besoin de se moucher. Eh bien, si tu as appris, tu as tiré profit maintenant d'une prouta, de un demi-prouta du mouchoir. Ouais, il a pris un demi-mouchoir pour s'essuyer un peu la narine droite, et un peu de sable aussi pour je sais pas quoi. Et là, en tout, il a tiré profit de quelque chose qui avait une valeur de une prouta. Transgressant l'interdit, ça s'associe, ok? Et là, Mishnah continue maintenant en me disant, mais non, regardez que pour cette fois-ci, pour le Kotche Bedek Abayit, on n'a plus mentionné une liste de pigoul notar et tamé, parce qu'il n'y a pas de pigoul notar et tamé dans le Kotche Bedek Abayit. C'est-à-dire, lorsque j'ai sanctifié, j'ai décidé de faire cadeau au Gizbar, ce joli critérium. D'accord? Le Gizbar, maintenant, il va l'utiliser pour tout le temps. Il n'est pas limité ni par des limites de temps, ni des marchavotes,
qu'il faut. D'accord, donc il n'y a pas pigoule no tartamé, on est juste concerné avec l'interdit de Meïla, et on transgresse ça si jamais on va tirer profit d'une valeur d'une prouta du stylo. La Mishnah continue maintenant en m'enseignant, sache que malgré tout, tu vas pouvoir associer partiellement les deux types de korban, les deux types de kodesh, kodesh amizbeach et kodesh bedek habayit. Sache que ce que tu as sanctifié pour l'autel et ce que tu as sanctifié pour la trésorerie du Beit HaMikdash, dans un certain, certaines circonstances, eh bien, mitztarfim zeimze les meila, ils vont s'associer ensemble pour transgresser l'interdit de meila, c'est-à-dire, très simple, c'est que si toutefois tu as tiré profit d'une demi-prouta, d'un korban, et d'une demi-prouta, d'un peu du mouchoir qu'on a sanctifié pour la trésorerie du Beit HaMikdash, tu as tiré un profit d'une prouta, de manière générale, tu as tiré profit de ce qui appartient, de ce qui était kadosh, et tu transgresses un interdit de Meïla, ça s'associe, il sera possible d'apporter le korban Meïla, avec rajouter le chromèche et tout ça. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov, Salam.